qui va être décoté. Thank you.
comme je disais, donc au Limoaï. Et aujourd'hui, quand même, précédemment, tu m'as parlé de Jordan Boudelza qui n'était pas là aujourd'hui. Ouais. C'est ça aussi. Donc, il y a aussi ça pesait aussi un peu dans le système de jeu que tu préconises. Ouais, Jordan, oui. Après, on a eu Pomeroy qui n'est pas là. On a Anthony Carrère qui n'est pas là non plus, des titulaires aussi. Mais bon, avec le groupe qu'on a, on se devait de venir et de faire un bon match. Mais c'est pour ça aussi que je leur ai dit de ne pas prendre ce match à la légère. Ils ont vu qu'en face, il y avait de la résistance. Quoi, hein. Donc voilà, bon, encore une fois, c'est compliqué quand c'est des matchs de coupe. On a pris un peu d'avance assez tôt et après, c'est compliqué. Mais on a réussi à faire souffler un peu de type. On va se remettre dans l'élite et voir ce que ça donne. Et surtout, je leur souhaite bonne chance à Entraigues. Qui a beau... parce que ça a été un bon match. Qu'est-ce que tu penses d'Entraigues, une belle équipe qui s'est accrochée en première mi-temps, oui, quand même, dans l'ensemble. Exactement. Après, c'est... C'est l'élite 1, l'élite 2. Il y a des petits détails qui sont, mais... Ils nous ont posé des problèmes avec les avants qui partaient un peu sur les extérieurs à un moment. Après, ils ont joué des tenues rapides. Voilà, ils ont du cœur, ils ont mis du cœur à l'ouvrage et c'est très bien. C'est pour ça que je leur ai demandé à mes joueurs justement de bien respecter cette équipe et de se fidèler à 100%. Merci beaucoup et bonne chance pour Limoux, Olivier. Merci. On va rester sur Julien maintenant. Julien, il a le temps lui de parler maintenant. à lui, merci. Donc Julien, donc aujourd'hui qui est pas mécontent dans l'ensemble, ouais, peut-être parce que. Content, mais après. Voilà, bon, 30 minutes quand même, tu les as quand même tenus la dragée haute. On les a tenus, bon, il y avait mon papa, il y avait Jimmy Jean qui n'était pas là, il y a Skitab, Skatabi. Bon, voilà, on avait rajeuni l'équipe, moi je leur ai dit que c'était une fête aujourd'hui. C'était pas une priorité, mais qui prennent du plaisir et qui se jaugent par rapport à ces équipes d'élite 1. Après voilà, le discours à la mi-temps que j'ai, c'est 28 à 8, on prend 20 points. Mais on fait 3 fautes à nos 20 mètres, ça nous coûte 16 points. Ouais. Donc voilà, je leur ai dit que si oui, ils ne veulent pas du plaisir, il va falloir arrêter les fans déjà, pour mettre la main sur le ballon. Et après les espaces, on les aura en deuxième mi-temps. Voilà. Donc, vous... et puis quand on voit que quand on consigne, en deuxième mi-temps, ils ont plus pris de... Ben oui, tiens, oui, il marque moins d'essais. Il marque moins d'essais, la seconde mi-temps, parce que tu as plus défendu. Voilà. Donc le résultat, il est là. Donc le résultat, le score, comme on peut le voir, il n'est pas lourd. Hein. C'est 36-14, eh ben, il n'est pas lourd. Je suis fier de mes joueurs. Et ce qu'on voulait, c'était de bien préparer ce match. Ça va te servir, ce match. Ce match, il va te servir en plus. Il va te donner du volume, de référence. Pas haut. Et la priorité, c'est quand même d'aller gagner à Lyon-Villeurbanne. Avec ce match qui va vous servir. Voilà. Et après, je suis content. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de carton. On a voulu le match. Je leur ai dit, l'état d'esprit qu'on a contre Pau et aujourd'hui contre Palo, il va falloir le garder jusqu'à la fin. Merci beaucoup Julien.